Bonjour tout le monde, c'est Samira du blog artetuto.com et dans cette vidéo, dans ce tutoriel, je vais vous donner une idée de dessin facile à faire et à la portée de tous. Si vous ne savez pas quoi dessiner ou si l'inspiration vous manque quelquefois, ce tutoriel va certainement vous plaire car je vais réaliser un sorte de patchwork d'imitation de gravure sur bois avec des motifs style mandala et doodle. L'idée ici n'est pas de vous apprendre comment réaliser une gravure sur bois, mais de vous montrer avec une simple technique nous pourrons suggérer la texture du bois avec un peu de délicatesse et de savoir-faire. Alors commençons. Alors, première étape, dynamiser votre composition. Pour commencer, je vous propose de diviser votre surface en quelques formes géométriques. Pour cette réalisation, l'idéal est d'utiliser deux rubans de largeur différente. Cela va vous permettre de créer des lignes de séparation dynamiques. Deuxième étape, sélectionnez vos outils et vos couleurs. Ici, je vais utiliser des stylos gel. Vous trouverez la liste du matériel avec leurs références dans l'article qui va suivre cette vidéo, c'est-à-dire dans l'article qui se trouve dans mon blog et qui détaille les étapes de cette vidéo. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Donc je disais, avec ces stylos gel, nous allons créer l'effet bois. L'effet bois le plus simplement possible en effectuant des traits verticaux, parfois alignés et parfois en chevauchement, c'est-à-dire un peu chevauché, en décalage. Troisième étape, dessinez vos motifs. Dans le choix du matériel, je vous suggère d'utiliser des feutres. Ici, j'ai utilisé de simples feutres à alcool. Je vous propose aussi de dessiner deux styles de motifs. Pour ma part, j'ai choisi de dessiner des fleurs et de petits mandalas. À vous de voir les motifs qui vous inspirent.
Alors, toujours pour le choix des motifs, vous pouvez réaliser des motifs figuratifs ou bien abstraits. À vous de voir ce qui vous met le plus à l'aise. Pour cette réalisation, moi j'ai dessiné quelques petits mandalas, des petits motifs de mandalas, on va dire quelques portions de mandalas, et j'ai aussi dessiné des fleurs doodle, c'est-à-dire ce sont des fleurs simplifiées.
Alors, vous pouvez remplir les bandes blanches, les bandes de séparation, avec des tracés de lignes verticales ou horizontales, ou avec d'autres motifs, ou avec des points, des cercles, etc. Moi, j'ai préféré les laisser vides, tout simplement, pour aérer, je veux dire, pour aérer ma réalisation. Donc, comme je vous ai dit, libre à vous de remplir ces bandes vides avec ce que vous voulez. Si ça vous dérange de laisser des bandes blanches, eh bien vous les remplissez soit avec des motifs ou alors carrément les colorier. Ça, c'est à vous de voir. Voilà la réalisation terminée. Vous voyez qu'il suffit de pas grand chose pour réaliser une jolie planche style patchwork, imitation gravure sur bois. Donc voilà ce qu'il en est concernant ce tutoriel de dessin facile à faire et facile à reproduire. J'espère que cette réalisation vous a plu et qu'elle vous a inspiré. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de me mettre un gros pouce haut, un pouce j'aime et pourquoi pas de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, pardon, pour m'aider à mieux faire connaître ma chaîne et à m'encourager à vous produire plus de vidéos. Dites-moi en commentaire si ce style de réalisation vous a plu et si vous aimeriez que je vous en fasse d'autres de ce genre. Donnez-moi vos retours, votre avis, vos suggestions ou juste votre participation à cette chaîne et à mon blog en me laissant vos commentaires. Si vous êtes intéressé par le coloriage, je vous invite à rejoindre ma formation « Colorier comme un pro » dans laquelle je vous enseigne des techniques plus avancées qui vont vous permettre de réaliser les mélanges et les harmonies de vos rêves et surtout de réussir tous vos dessins et de ne plus avoir des coloriages fades et sans relief. Je vous détaille tout le contenu de la formation dans le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Avant de vous quitter, si vous aimez ce que je fais, je vous invite à lire mon blog et surtout à télécharger mon kit de dessin gratuit. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos. Merci.